Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va très très bien, je dois dire que je suis en pleine forme, en pleine forme. Alors je regarde qui est là, je vois Morita, bonjour bonjour, Luciana est là aussi, Alama, coucou, Yvette est avec nous, Dekra, bonjour, Oussam est avec nous, Stardust, comment ça va, Mohamed est là aussi, Victoria Thomas est là, Gloria, bonjour bonjour. Alors attendez, je descends. Désiré est là aussi. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Attendez, Alama, j'ai vu ça discute. Hein. J. Vincent, bonjour. Sally Clayton, bonjour, bonjour. Pauline est avec nous. Renato Silva est là. Cosmina est là. Alors attendez, je regarde, j'essaye de voir, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes. Yossi est avec nous, Roman est là aussi, Victoria Possé est là aussi. Ben écoutez, je crois que je dirai bonjour aux autres. Victoria Jacques est là, Hilary est là aussi, Jolene est avec nous, Tenzing est là, Ramon est là, coucou Ramon, comment ça va? Monsieur Omar est avec nous, Namrose aussi, Monique nous rejoint. Bon bah écoutez, tout va bien, on n'oublie pas bien sûr, bien sûr, bien sûr, de cliquer. Le clic sur le like, c'est une façon de dire bonjour. Sneden Ferreira nous rejoint. Bon bah écoutez, hein, tout va bien, on peut commencer si vous voulez. Alors, Ice Cubes nous rejoint avec son café. Eh bien, bon café, Ice Cubes. Fatima est là aussi. Bonjour Fatima, comment ça va? Allez, et nous commençons avec la personne du jour. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait la personne du jour et je me suis dit, tiens, pourquoi pas aujourd'hui, eh bien, choisir une personnalité. Et la personne du jour, eh bien, c'est probablement le plus hispanophone des Français. C'est monsieur Manu Chao. Je ne sais pas si vous connaissez Manu Chao, mais nous allons, eh bien, le découvrir ensemble. Comme d'habitude, je vais lire des choses. Alors attendez, je dois bien sûr préparer. Je vais lire des choses et vous allez noter, eh bien, les mots qui manquent. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une dictée de mots. Parce que nous avons eu cette discussion intéressante hier sur les dictées. C'est donc une dictée, mais une dictée, ce qu'on appelle un lacunaire. Il y a des mots qui manquent. Manu Chao, de son nom complet, José Manuel Tomás Arturo Chao, est né le 21 juin 1961 à Paris, est un auteur, compositeur, interprète, chanteur et musicien d'origine espagnole. Manu Chao, de son nom complet, José Manuel Tomás Arturo Chao, né le 21 juin 1961 à Paris, est un auteur, compositeur, interprète, chanteur et musicien français d'origine espagnole. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors, ça commence à arriver. Effectivement, nous étions à la recherche de quatre choses. La première chose, c'est complet. Complet doit être au masculin, puisqu'il est relié au nom
Non. Au mot, non. Ça commence bien, ça va être sportif aujourd'hui. Donc c'est masculin, donc complet doit être masculin. C-O-M-P-L-E-T. Ensuite, auteur, vous l'écrivez bien. Hein. Auteur, c'est A-U-T-E-U-R. Et puis interprète, c'est la même chose. Vous mettez même les accents, c'est formidable, merci. I-N-T-E-R-P-R-E, accent grave, T-E. Et puis espagnol doit être ici au féminin, puisque cet adjectif est connecté à origine. Origine, c'est un mot féminin, donc espagnol doit être féminin. E-S-P-A-G-N-O-L-E, espagnol. Deuxième chose concernant Manu Chao, on y va. Il est devenu une figure majeure du rock français et de la musique latine avec son groupe Mano Negra. Il est devenu une figure majeure du rock français et de la musique latine avec son groupe Mano Negra. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors, Mac nous rejoint. Bonjour Mac, et Mac, on n'oublie pas de cliquer sur le like si vous ne l'avez pas fait. Merci beaucoup. Moi, ça va pas trop mal, je dois dire. J'ai couru 10 km. Un homme en forme. Un homme en forme. Allez, on y va. Quatre choses. La première chose, c'est devenu. Souvenez-vous, c'est le verbe devenir. Le verbe devenir, ici, au passé composé. Donc le participe passé, c'est devenu, D-E-V-E-N-U. Majeur qui doit être au féminin, puisque le mot auquel il est connecté, figure, est un mot féminin. Une figure majeure doit être au féminin, mais M-A-J-E-U-R-E. Très bien, excusez-moi. En même temps, je regarde si la connexion est fluide. Apparemment, tout va bien. Ensuite, latine. Latine, comme c'est connecté à musique, bien sûr, cet adjectif doit être au féminin. Latin, masculin. Latine, féminin. L-A-T-I-N-E. Et puis finalement, groupe, c'est masculin. Un groupe, G-R-O-U-P-E. C'est un groupe. Si vous ne connaissez pas ce groupe incroyable des années 90 qui s'appelle La Mano Negra, je vous invite à écouter. C'était vraiment, vraiment très, très bon. Moi, j'adorais. Personnellement, dans les années 90, c'est un groupe que j'ai beaucoup aimé. Il a accompli ensuite depuis plusieurs années, une carrière solo internationale à succès et se produit dans le monde entier avec son nouveau groupe Radio Bemba. Il a accompli ensuite, depuis plusieurs années, une carrière solo internationale à succès et se produit dans le monde entier avec son nouveau groupe Radio Bemba. Allez-y, s'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. «
Alors, ça commence à arriver et c'est très bien, effectivement, ici. Donc, le verbe, c'est accomplir. Accomplir doit être, eh bien, au passé composé, puisqu'ici, c'est il a accompli. Donc, nous cherchons finalement le participe passé. Le participe passé, on l'écrit A-C-C-O-M-P-L-I. Accompli. Ensuite, international. International, adjectif qui est clairement connecté à carrière. Carrière, c'est féminin. Une carrière internationale doit être au féminin. I-N-T-E-R-N-A-T-I-O-N-A-L-E. Ensuite, produit, le verbe c'est se produire. Se produire, eh bien on l'écrit ici à la troisième personne du singulier. Il se produit, P-R-O-D-U-I-T. Et finalement, nouveau. Nouveau doit être ici au masculin, puisque c'est effectivement lié au mot groupe. Groupe, c'est masculin. Donc, nouveau, eh bien, on l'écrit N-O-U-V-E-A-U. Nouveau. Allez, on continue avec le beau Manu Chao. Sa mère, Félissa, originaire de Bilbao et chercheuse, et son père Ramon, originaire de Galice, est écrivain et journaliste à RFI Amérique Latine et à France Inter. Sa mère, Félissa, originaire de Bilbao et chercheuse, et son père Ramon, originaire de Galice, est écrivain et journaliste à RFI, Amérique Latine et à France Inter. Allez-y, s'il vous plaît. Ça commence à arriver, c'est très bien, originaire. C'est notre premier mot qu'on écrit O-R-I-G-I-N-A-I-R-E, c'est bien. Chercheuse, et bien sûr, c'est le féminin. Chercheur masculin, chercheuse féminin, c'est H-E-R-C-H-E-U-S-E. Écrivain, écrivain, forme masculine, tout simplement parce que c'est son papa, Ramon, et donc on le met au masculin, E accent aigu, C-R-I-V-A-I-N. Et puis journaliste, masculin ou féminin, c'est la même forme, vous l'écrivez de la même façon, J-O-U-R-N-A-L-I-S-T-E, journaliste. Allez, on continue avec la cinquième chose concernant Manu Chao. Ainsi, durant l'enfance de Manu Chao, de nombreux écrivains d'Amérique latine passeront à la maison, dont certains amis proches de son père. Ainsi, durant l'enfance de Manu Chao, de nombreux écrivains d'Amérique latine passeront à la maison, dont certains amis proches de son père. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Allez, on regarde. Ici, la première chose, c'était durant et vous l'écrivez très très bien. D-U-R-A-N-T. Ensuite, c'est le verbe passé. Alors, le verbe passé, verbe régulier du premier groupe qui, ici, doit être au futur simple. Troisième personne du pluriel du futur simple passeront.
P-A-S-S-E-R-O-N-T. Et puis proche, eh bien c'est l'adjectif ici qu'on doit mettre au pluriel, puisque le mot ami est au pluriel, proche doit être au pluriel, P-R-O-C-H-E-S. Allez, sixième chose concernant Manu Chao. Manu a un frère de 2 ans, son cadet, Antoine. En 1987, les frères Chao et leur cousin Santiago Casariego forment Mano Negra, du nom d'une organisation de guérilleros sud-américains. La musique du groupe devient populaire dans les pays hispanophones. Manu a un frère de 2 ans, son cadet, Antoine. En 1987, les frères Chao et leur cousin Santiago Casariego forment Mano Negra, du nom d'une organisation de guérilleros sud-américains. La musique du groupe devient populaire dans les pays hispanophones. Écrivez, s'il vous plaît, les mots qui manquent. Allez, si on regarde la première chose, c'est frère. Normalement, il n'y a pas de problème. F-R-E, accent grave, R-E, un frère. Alors, attendez, je dois cliquer sur désirer. Je ne sais pas pourquoi c'était bloqué. Ensuite, cadet. Cadet, c'est masculin ici. Hein, et on l'écrit C-A-D-E-T. Forme doit bien sûr être au pluriel, puisque nous avons ici, eh bien, Manu, nous avons Antoine et nous avons Santiago, donc ça fait 3 personnes, bien sûr, c'est le pluriel, F-O-R-M-E-N-T. Et puis finalement l'adjectif hispanophone. Hispanophone, vous l'écrivez ici au pluriel parce que c'est les pays hispanophones, les pays où on parle l'espagnol. H-I-S-P-A-N-O-P-H-O-N-E-S. Hispanophone. Voilà, si vous ne connaissez pas Manu Chao et si vous ne connaissez pas la Mano Negra, je vous invite à les écouter. C'est vraiment sympa, en tout cas, à mon avis. Ça n'est pas vraiment pour pratiquer le français, parce que, à ma connaissance, il y a peut-être 2 ou 3 chansons en français. La majorité des chansons sont en espagnol, mais c'est vraiment, vraiment très, très sympa. Voilà, c'était la personne du jour et c'est Manu Chao. Alors, le grand thème de notre journée, le grand thème de notre cours aujourd'hui, c'est l'imparfait de l'indicatif. Donc, vous savez que cette semaine, et peut-être un petit peu la semaine prochaine aussi, nous nous concentrons sur, sur les temps. On va faire de la conjugaison parce que c'est important. Donc, aujourd'hui, c'est l'imparfait de l'indicatif. L'imparfait de l'indicatif, on va commencer, bien sûr, avec les verbes réguliers du premier groupe. Les verbes réguliers du premier groupe, nous prenons systématiquement, parce que nous essayons d'être systématiques à chaque fois, le verbe parler, d'accord ? Verbe extrêmement régulier. On y va avec la première chose. Singulier, s'il vous plaît, verbe parler, je, tu, il, elle, on, à l'imparfait de l'indicatif. Allez-y, s'il vous plaît.
Excusez-moi, si j'ai oublié cousin, ben ça n'est pas grave, vous l'avez vu. Alors, ça commence à arriver, c'est très bien, effectivement. Donc, notre radical sera PARL, P-A-R-L. Ça va être notre radical. Et après, nous allons mettre les terminaisons. Les terminaisons pour je, IS, je parlais. Terminaison pour tu, la même chose, IS, tu parlais. Terminaison pour il, elle, on, troisième personne du singulier, AIT, il parlait, elle parlait, on parlait. Encore une fois ici, vous remarquez qu'avec les terminaisons, nous avons phonétiquement une seule forme. Je parlais, tu parlais, il, elle parlait. C'est la même prononciation. Allez, on continue avec le pluriel. Le pluriel, s'il vous plaît, écrivez-moi. Nous, vous, il, elle au pluriel. Toujours l'imparfait de l'indicatif. Une petite seconde, Nicolas arrive. Eh bien voilà, quel sportif ce Nicolas. Nicolas aujourd'hui a couru pour l'UNICEF. Il y avait un organisme, enfin quelque chose d'organisé. Il a couru pour l'UNICEF et il a fait 11 tours et chaque tour faisait 1 km. Oh, 11 km, quel sportif. Bravo mon Nicolas. Alors regardons ensemble. Le radical, c'est bien sûr parle. Toujours P-A-R-L. Parle. Terminaison. La terminaison pour nous, eh bien, ça sera I-O-N-S, nous parlions. D'accord ? La terminaison pour vous sera I-E-Z, vous parliez. Et la terminaison pour il, elle, au pluriel, A-I-E-N-T, il parlait, elle parlait. Donc, je vais vous répéter pour que ce soit bien clair. Je parlais. Tu parlais, il, elle, on parlait, nous parlions, vous parliez, il, elle, parlait. Donc, singulier, je parlais, tu parlais, il parlait, pluriel, il, elle, parlait, c'est la même forme, d'accord ? Phonétique, bien sûr. On écrit différemment, donc, trois formes phonétiques, parlait, parlions, parliez. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Et finalement, bien sûr, il faudra vous souvenir de la façon de les écrire correctement. Allez, on va attaquer les phrases maintenant. Alors, vous dites bravo Nicolas, oui, mais il va bientôt avoir faim. C'est ça le risque. Là, il arrive et là, c'est un homme qui a faim qui arrive. Allez, on y va. Traduction, donc imparfait de l'indicatif. Nous sommes d'accord que là, nous allons travailler uniquement sur des verbes du premier groupe.
Comme d'habitude, hein, trois phrases, et puis eh ben, c'est la première. I liked to read comics. Je voudrais donc une traduction de cette phrase, mais je voudrais un verbe du premier groupe, s'il vous plaît, et je voudrais bien sûr ce verbe à l'imparfait, merci. Alors, regardons ensemble donc le verbe. Hein. Le verbe, eh bien oui, c'est le verbe aimer, hein, donc j'aimais, avec cette possibilité, encore une fois, d'avoir bien pour réduire un petit peu. Donc j'aimais, j'aimais bien. Les deux sont acceptables. Ensuite, eh bien le verbe à l'infinitif lire, hein, donc L-I-R-E, ça c'est clair pour tout le monde. Souvenez-vous, bande dessinée, on a déjà vu ce mot, hein, c'est vraiment ce qu'on utilise, donc j'aimais lire des bandes dessinées. Dessinées, souvenez-vous que c'est au féminin, parce que bande, c'est un mot féminin. Une bande dessinée, des bandes dessinées, féminin, pluriel. D-E-S-S-I-N-E, accent aigu, E. Voilà, donc j'aimais bien lire des bandes dessinées, j'aimais lire des bandes dessinées, pas de problème, Sophia X, attention, j'aimais lire, hein, pas de préposition, pas de direct comme ça, j'aimais voyager, j'aimais lire, j'aimais chanter, etc., etc. Allez, on y va avec le numéro 2. Le numéro 2, regardez, I spent weekends in the countryside. S'il vous plaît, je voudrais un verbe du premier groupe et je voudrais ce verbe à l'imparfait. Allez-y. Alors Sneden, ce n'était pas j'aimerais, c'était j'aimais. Hein, c'est légèrement différent. J'aimerais, oui, c'est le conditionnel. J'aimais, c'est l'imparfait. Alors, regardons ensemble. Ici, le verbe, donc, c'est passer. Oups là, excusez-moi, je me déplace pour être bien confortablement installé. Passer les week-ends. Hein. Donc ici, je passais. On va mettre effectivement ce verbe, eh bien, à l'imparfait. Je passais les week-ends, au pluriel. Ici, avec le S à la fin, souvenez-vous, week-end, c'est comme ça qu'on l'écrit en français. Pour votre information, les Québécois utilisent l'expression « fin de semaine », ce qui est beaucoup plus logique. Les Français utilisent maintenant « week-end ». Et « à la campagne », faites attention, c'est plutôt « à hein, ». Hillary qui dit « dans la campagne », c'est plutôt à la campagne, hein. Passer du temps à la campagne. Faites attention, Tsering, ça n'est pas compagnie, mais c'est vraiment campagne, hein. Vous l'écrivez, C-A-M-P-A-G-N-E. D'accord ? Je passais les week-ends à la campagne. Je passais les week-ends à la campagne. Allez, on y va, numéro 3. Le numéro 3, I thought life would be simple. S'il vous plaît, verbe au
enfin, pardon, verbe du premier groupe. Aujourd'hui, c'est un petit peu difficile, je ne sais pas pourquoi. Et Alain Barfait, s'il vous plaît. Alors, je vois que vous êtes 100 personnes et c'est formidable. Merci beaucoup. Si vous pouviez cliquer sur le like, ce serait très, très gentil de votre part. Merci. Alors, regardons. Donc, la première partie, bien sûr, ça va être avec un verbe. Comme je vous l'ai demandé, du premier groupe, verbe penser. Et là, ça doit être à l'imparfait. Je pensais, d'accord? Le radical P-E-N-S, votre terminaison A-I-S, je pensais. Que la vie, après, on va utiliser, bien sûr, le verbe être, et là, logiquement, parce que c'est la concordance des temps, on doit mettre le conditionnel présent. Conditionnel présent pour la troisième personne du singulier, la vie serait S-E-R-A-I-T. Je pensais que la vie serait simple. Et c'est vrai, je pensais que la vie serait simple. Mais bon, ça n'était pas toujours le cas. Alors voilà, la politesse et les bonnes manières. Et oui, nous allons finir le stock. Nous nous rapprochons petit à petit de la fin. Je le fais parce que je sais que Stardust, c'est sa rubrique préférée. C'est la rubrique qu'elle préfère. Elle est comme ça, youpi ! C'est la politesse et les bonnes manières. Et je vous rappelle que c'est l'occasion de faire quand même un exercice de dictée et de découvrir des choses qui sont des choses de l'ordre de la civilisation. Allez, on commence avec le premier. Première chose concernant la politesse et les bonnes manières. L'homme doit entrer en premier dans un lieu public. L'homme doit entrer en premier dans un lieu public. Allez, écrivez-moi la phrase, s'il vous plaît, merci. Alors, regardons, voilà. L'homme doit entrer, donc ici « doit », c'est le verbe « devoir ». Le verbe « devoir » que vous conjuguez au présent et à la troisième personne du singulier « d-o-i-t ». Il doit, elle doit, on doit. Entrer, infinitif bien sûr, E-N-T-R-E-R. Premier, bon bah écoutez, là c'est clair, hein. Et puis public, comme d'habitude, P-L-U-B-L-I-C, hein. On a beaucoup parlé de public, public c'est le mot préféré de Ice Cubes, on le sait, j'ai pas regardé si Ice Cubes, oui, Ice Cubes, oui.
Ice Cube, elle a bien écrit public. Ah, eh oui. Voilà. Les petits plaisirs simples du professeur quand il voit qu'effectivement, eh ben, les étudiants se souviennent. Bravo Ice Cubes, Ice Cubes, elle a bien écrit public. Bravo, oui. Il faut mettre des petits personnages qui sourient, c'est formidable. Voilà, donc oui, traditionnellement, alors après c'est discutable, hein, mais traditionnellement, s'il y a un homme et une femme qui vont par exemple au restaurant, grand classique, hein, au restaurant, normalement, la politesse veut que l'homme entre avant la femme. Hein, ça c'est... Mais bon, tout est négociable, bien sûr. Numéro 2. Allez, numéro 2, on y va. Attention, attention. Les assiettes ne doivent pas être trop proches du bord de la table. Eh oui. Les assiettes ne doivent pas être trop proche du bord de la table. Allez-y. J'aime bien Olga, l'homme doit entrer en premier dans un lieu public, entre parenthèses, I strongly disagree. Non, Olga, the idea is to it's the concept. The concept is that the man will enter in a place just if there is a danger, so he will protect the lady. I mean, this is the way it was before. That's the reason. Like we had for the stairs, he goes first. Just if she falls, then he's there to protect. This is the concept of this politeness thing. Alors, je n'avais pas vu, apparemment, quoi, qu'est-ce qu'elle a fait Julia, elle a dit du bord de la mer. On parle de la table. On parle de la table. Les assiettes, donc on doit le mettre au pluriel ici. N'oublions pas qu'assiette, c'est un mot féminin, une assiette. Bon, ici, c'est au pluriel. On l'écrit A-S-S-I-T-T-E-S. Le verbe devoir doit être bien sûr à la troisième personne du pluriel. Doivent, D-O-I-V-E-N-T. Ensuite, proche, ben vous devrez le mettre là, bien sûr, au pluriel, puisque c'est un adjectif qui est là relié à assiette, proche, P-R-O-C-H-E-S, proche. Et puis du bord, le bord c'est masculin, B-O-R-D, et la table c'est féminin. T-A-B-L-E. John, les femmes sont-elles si fragiles? Ah ben non, mais John, les règles de politesse existent depuis très 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 longtemps, c'est pour ça. On ne parle pas de la réalité actuelle, on parle de règles qui existent depuis des siècles, c'est pour ça. Troisième chose, allons-y. Si on vous dit bon appétit, veuillez simplement répondre à vous aussi. Si on vous dit bon appétit, veuillez simplement répondre à vous aussi. Écrivez-moi la phrase, s'il vous plaît.
Allez, regardons la phrase. Donc bon, ça commence assez normalement. Vous l'avez bien écrit. Si on vous dit, le verbe, c'est le verbe dire qui est conjugué à la troisième personne du singulier dit. Bon appétit. Eh bien, on l'écrit comme ça. Alors faites attention, hein. Appétit, c'est masculin. L'adjectif, c'est bon. Mais on fait la connexion, donc on prononce bon appétit. Vous entendez bonne, mais c'est vraiment bon. Bon appétit, mais on va faire le lien, donc bon appétit. Bon app. Veuillez, c'est le verbe vouloir ici. Simplement répondre à vous aussi. Voilà, donc à vous aussi. Allez, on continue avec le quatrième. Le quatrième, eh bien, c'est celui-là. Ne mangez pas directement de la brochette. Faites glisser les morceaux à l'aide d'une fourchette. Ne mangez pas directement de la brochette. Faites glisser les morceaux à l'aide d'une fourchette. S'il vous plaît, écrivez les phrases ou la phrase. Alors, Chalini nous rejoint. Bonjour Chalini, comment allez-vous? Allez, maintenant on parle des brochettes. C'est les brochettes, c'est la période des brochettes, peut-être pour certains. Alors ici, ne mangez pas. Donc c'est encore un impératif à la forme négative. Le verbe c'est manger, M-A-N-G-E-Z. Directement de la brochette. Qu'est-ce qui se passe, Julia? S'ils ne glacent pas, ils sont toujours très bien attachés. Mais non, clink, clink. Ah, si ça saute dans l'assiette du voisin. Oh, c'est l'occasion de discuter avec le voisin. Alors, donc brochette, c'est féminin. Féminin, une brochette, la brochette, B-R-O-C-H-E-T-T-E. D'accord? Faites glisser. Hein? Donc ici, c'est le verbe faire. Le verbe faire qui est à l'impératif. F-A-I-T-E-S. Faites pour la deuxième personne du pluriel, comme d'habitude, hein? Vous. Glisser, infinitif, G-L-I-S-S-E. R, morceau, c'est un mot qui est masculin. Ici, il est au pluriel avec un X à la fin. M-O-R-C-E-A-U-X. Et puis finalement, fourchette, eh bien c'est féminin. Une fourchette, F-O-U-R-C-H-E-T-T-E. Hein, donc si vous avez une brochette, clink, 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 vous faites glisser les morceaux à l'aide d'une brochette et à l'aide d'une fourchette. Et si, Julia, si ça saute dans l'assiette de l'autre, vous discutez, vous faites une blague. Ça peut être sympathique, mais il faut faire doucement et délicatement peut-être. Numéro 5. Alors là, j'ai entendu ça toute ma jeunesse. Toute ma jeunesse, j'ai entendu ça. Ne mettez pas les coudes sur la table. Jamais. Ne mettez pas les coudes sur la table. Allez-y. Alors, Denise qui nous rejoint. Denise, c'est la même chose pour vous? Ne mettez pas les coudes sur la table. Est-ce que vous l'avez entendu toute votre jeunesse? Moi, j'ai entendu ça tout le temps.
Allez, hop, on y va. Donc, c'est le verbe mettre. Hein. Le verbe mettre, encore une fois, qui est à l'impératif, puisqu'on donne des conseils ici. C'est la deuxième forme du pluriel. Mettez, M-E-T-T-E-Z. Et là, bien sûr, c'est la négation. Ne mettez pas. Ne mettez pas les coudes. Coude, eh bien c'est masculin, un coude, on en a deux, donc c'est au pluriel, avec un S à la fin, C-O-U-D-E-S, sur la table. Eh oui, on l'a entendu ça, Denis, c'est la même chose, depuis que je suis petite, ben moi aussi. Et là, je ne pourrais jamais les mettre sur la table, ça n'est absolument pas possible. C'est considéré comme quelque chose, effectivement, d'assez mal poli, on va dire. Alors, n'oublions pas que c'est aujourd'hui la journée du bisou. La journée du bisou, si vous avez un animal, quelqu'un, il faut faire au moins un bisou parce que c'est important. Voilà, Denise qui arrive pour le français du Québec. Alors bon, on va faire ça ensemble, comme d'habitude, on en a 5. Yossi, même s'il y a beaucoup de place et la table est grande. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Ah, ça n'est pas une question de dimension de table. C'est une question de... Il n'y a aucune connexion entre la table et le coude. Jamais. En tout cas, c'est comme ça et c'est la règle. Le français du Québec, on attaque avec la première chose. Première chose, eh bien, comme d'habitude, nous allons écouter notre ami et vous allez écrire ce que vous entendez. Allez, on y va. Le déjeuner. Le déjeuner. Le déjeuner. Le déjeuner. Le déjeuner. Le déjeuner. Allez, écrivez s'il vous plaît. Alors, voilà, effectivement, et c'est formidable parce que, eh bien, Denise est avec nous. Et donc, Denise pourra nous confirmer si, effectivement... Alors, le déjeuner, Denise, est-ce que vous confirmez que c'est bien pour les Québécois le repas du matin? Parce que pour les Français, c'est le petit déjeuner. Est-ce que c'est effectivement... Eh oui, Denise nous dit, c'est le matin. Donc, au Québec, apparemment, donc, le déjeuner, ce sera le matin. Pour les Français, c'est le petit déjeuner. D'accord ? Donc là, pour l'instant, nous sommes, eh bien, d'accord là-dessus. On continue avec la deuxième chose. La deuxième chose... On écoute encore notre ami et vous écrivez ce que vous entendez. Le dîner. Le dîner. Le dîner. Le dîner. Le dîner. Le dîner. Allez-y, s'il vous plaît, écrivez ce que vous avez entendu.
Alors, oui, hein, donc effectivement, le dîner. Alors, toujours la même chose, hein, Denise. Est-ce que nous sommes d'accord que, eh bien, au Québec, le dîner, c'est le repas du midi. C'est parce que pour les Français, le repas du midi, eh bien, c'est le déjeuner, justement. Donc, le matin en France, le petit déjeuner. Le déjeuner, c'est à midi. Et donc, au Québec, eh bien, le déjeuner, c'est le matin. Le dîner, c'est à midi. Donc un léger décalage. Et c'est ça qui est très sympathique, c'est les différences. Allez, on attaque avec eh bien, la troisième chose. La troisième chose, on y va. On peut imaginer hein, qu'on va rester sur le même thème. On y va. Le souper. Le souper. Le souper. Le souper, le souper, le souper. Allez-y, s'il vous plaît. Allez, on regarde ensemble. Et donc, eh ben voilà, ça c'était la troisième possibilité. Hein, c'était le souper. Et le souper, donc c'est le repas du soir. Le souper. Alors faites attention puisque donc nous sommes d'accord que pour les Québécois, le matin c'est le déjeuner. Ensuite, à midi, c'est le dîner. Et le soir, c'est le souper. Pour les Français, le matin, ce sera le petit déjeuner. À midi, ce sera le déjeuner. Et le soir, ce sera le dîner. Quand les Français utilisent souper, en général, c'est traditionnellement, on imagine que c'était après un spectacle, très très tard dans la nuit. Et en général, le souper, eh bien, c'est une soupe. C'est quand même un petit peu l'origine. Le souper, quand on va prendre une soupe. J'aime beaucoup les soupes. Hein. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. Voilà, on continue avec... Attendez, je dois cliquer. Voilà, c'est parti. Et là, c'est une expression. Donc, écoutez bien. L'expression, parce que ça, c'est assez intéressant. On y va. J'en ai en masse. 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 Allez-y, s'il vous plaît. C'est vrai, Denise, je n'avais pas pensé à ça. Alors, le petit déjeuner, c'est une... Qu'est-ce que c'est, alors? Qu'est-ce que c'est, Denise? Là, c'est pas clair. Allez, si on regarde ça ensemble, et bien sûr, Denise va nous confirmer si c'est correct ou pas, parce qu'on a envie d'être sûr. Donc, j'en ai en masse. Masse, hein, donc M-A-S-S-E. Et donc, ça veut dire j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, j'en ai en masse. Est-ce que vous l'utilisez beaucoup, Denise, cette expression? Est-ce que c'est du québécois familier? Est-ce que c'est quel registre exactement? Ce serait gentil si vous pouviez nous dire exactement à quel niveau de langue ça se situe. Merci beaucoup. Mais donc ici, l'expression, c'était « j'en ai en masse ». Vous êtes bizarre.
Ah, mais les Français sont bizarres. Alors là, je... Ah, mais non, mais je n'ai jamais dit que on était plus logique. On n'est pas plus logique, pas du tout. On n'a jamais dit ça. Mais donc, Denis, si vous pouvez nous dire si j'en ai en masse, quel niveau de langue, ce serait très gentil. Merci. Allez, on y va. Cosmina qui nous dit j'en ai en masse, j'en ai à l'appel, oui. Ah, donc c'est familier quand même un petit peu. Hein. Donc c'est un petit peu comme Cosmina nous dit j'en ai à l'appel, là aussi c'est familier. Donc on ne l'utilise pas dans toutes les situations avec tout le monde. Donc j'imagine qu'on dira j'en ai beaucoup. Allez, on continue avec cette dernière chose. Eh bien, écoutez, ça va être intéressant là aussi. On y va. J'en ai un char. 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 Allez-y, s'il vous plaît, écrivez. Alors, Denis qui dit « Oh, pourquoi ?» Ah, il faut expliquer. Moi, on ne m'a pas dit. Alors, ici, l'expression, c'est « J'en ai un char ». Alors, effectivement, moi, j'avais aussi entendu « chat » au début, mais j'ai entendu le « r » légèrement. « J'en ai un char ».« J'en ai un char ». Et donc, ça voudrait dire « J'en ai beaucoup ». Alors, Denise, est-ce que vous confirmez? Pourquoi vous avez dit « Oh, ça fait peur, j'en ai un char !» Et Cosmina nous dit « J'en ai des tonnes !» Et oui, c'est vrai, parce qu'effectivement, c'est quand même très très lourd. Donc « J'en ai un char, j'en ai des tonnes !» Donc c'est probablement, là encore, une expression un peu familière. Mais donc, moi j'avais trouvé très sympathique l'intonation. J'adore en général l'intonation québécoise, je trouve qu'elle est formidable. Écoutons un petit peu cette intonation qui vibre comme ça, regardez. J'en ai un char. Ça monte légèrement, je trouve que c'est magnifique. C'est vraiment magnifique, juste pour le plaisir, écoutez bien, j'en ai un char. J'en ai un char. Ça monte, c'est magnifique, c'est délicieux. Merci beaucoup. Voilà, vous allez devenir des spécialistes du français du Québec. Allez, on continue si vous voulez bien. Alors, le fil rouge aujourd'hui, c'est l'imparfait, hein, l'imparfait, l'indicatif. Et donc, on a fait le premier groupe, on va attaquer le deuxième groupe. Le deuxième groupe, les verbes en IR, pas tous les verbes en IR, la majorité des verbes en IR. Et donc, on prend comme exemple, encore une fois, le verbe finir. Le verbe finir, c'est toujours un bon exemple. Il est régulier dans sa catégorie, donc nous allons commencer avec le singulier. Le singulier, verbe finir, s'il vous plaît, je, tu, il, elle, on. Allez-y, donc c'est l'imparfait, bien sûr. «
Alors, Denise, qui va enseigner le français standard? Oh, un petit coup de « j'en ai un char » quand même. C'est tellement chouette. Et puis avec la petite montée, « j'en ai un char », c'est magnifique. Alors, ça commence à arriver et je dois dire que c'est très très bien. Donc ici, notre radical. Le radical, eh bien, ce sera finis. F-I-N-I-S-S. Donc ça, ce sera notre radical. Et ensuite, vous allez bien sûr mettre les terminaisons. Les terminaisons, c'est encore les mêmes. A-I-S pour je finissais. A-I-S pour tu finissais. AIT pour il, elle, on, il finissait, elle finissait, on finissait. Donc encore une fois, je finissais, tu finissais, il finissait, elle finissait, on finissait. C'est la même forme phonétique, finissait. D'accord ? On continue avec le pluriel. Le pluriel, s'il vous plaît, le verbe finir, toujours l'imparfait, nous, vous, il, elle. Allez-y. Tiens, Yessero nous rejoint. Bonjour Yessero, comment ça va? Alors, notre radical, c'est toujours le même, nous sommes d'accord, et c'est bien sûr F-I-N-I-S-S, finissent. Et donc, bien sûr, on met nos terminaisons. Ion pour nous finissions. Ion, on entend bien le ion, hein. Nous finissions, vous finissiez, yé, vous finissiez. Et finalement, il, elle, finissait. Souvenez-vous, la même chose. A-I-E-N-T, est. Il finissait. Donc finalement, encore une fois, je finissais, tu finissais, il finissait, elle finissait, on finissait, pluriel, il, elle, avec le S, finissait. C'est la même forme. Et puis après, nous finissions, vous finissiez. Relativement simple. Phonétiquement, on est d'accord que pour l'écrire, c'est une autre histoire. Allez, on va faire l'exercice si vous voulez. Oh, je vois Cherilyn qui nous rejoint. Bonjour Cherilyn. Cherilyn, n'oublions pas qu'aujourd'hui, c'est la journée du bisou. Si vous avez une personne à embrasser, il faut le faire. La famille, les amis, les gens qui ont été vaccinés, on peut faire des bisous quand même. S'il vous plaît, traduction imparfaite de l'indicatif, verbe du deuxième groupe. Verbe du deuxième groupe et on attaque avec la première phrase. I managed to avoid problems. S'il vous plaît, traduisez cette phrase avec un verbe du deuxième groupe et il doit être, bien sûr, à l'imparfait. Alors Yossi, quand Denise parle de français standard, je pense qu'elle parle de registre de langue. C'est-à-dire que bien sûr, là, les expressions qu'on a vues, j'en ai un char, etc., ça, c'est du français familier. Et donc, c'est la même chose pour eux. Ils ne vont pas utiliser ça. Mais c'est du français normal avec leur accent. Donc, ce sera bien sûr avec leur accent. Quand elle parle de français standard, c'est plus par rapport au niveau de langue, hein.
Alors, regardons ensemble. Hein. Evelyne nous rejoint. Robert aussi, bonjour, bonjour. Ici, j'avais envie donc que ce soit, bien sûr, à l'imparfait. J'avais envie d'utiliser le verbe réussir. Dans mon exemple, je réussissais. Alors faites attention à faire quelque chose. Hein. Je réussissais à éviter les problèmes. Réussir, donc, vous allez le mettre à l'imparfait. Réussissais. C'est assez long. R-E accent aigu, U-S-S-I-S-S-A-I-S. Je réussissais à éviter, infinitif, bien sûr, les problèmes. On continue avec le deuxième. I always finished my plate. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez, eh bien, traduire ça avec, s'il vous plaît, un verbe du deuxième groupe. Et ce verbe devrait être « merci » à l'imparfait. Alors faites attention parce que toujours, hein, toujours c'est un adverbe et souvenez-vous, traditionnellement, l'adverbe arrive après le verbe. C'est-à-dire qu'ici, toujours doit arriver logiquement après finir. Donc vous gardez votre structure. Votre structure c'est sujet, je, verbe. Là, nous cherchions le verbe finir, verbe du deuxième groupe. À l'imparfait, je finissais. F-I-N-I-S-S-A-I-S. Ensuite, vous mettez l'adverbe toujours, T-O-U-J-O-U-R-S. Et finalement, assiette. Faites attention parce que plate, hein, c'est vraiment, pour les Français, c'est une assiette. Hein, une assiette. Alors, assiette, c'est féminin. Une assiette. Oui, mais... ça commence avec une voyelle. Souvenez-vous la règle en français. Si votre mot commence avec une voyelle ou le son d'une voyelle, H plus une voyelle, vous allez utiliser les adjectifs possessifs masculins. Vous ne dites pas « ma assiette », mais vous dites « mon assiette ». D'accord ? Ce sera systématique pour tous les mots féminins qui vont commencer avec le son d'une voyelle. Voilà. Alors, I often choose the same, or chose, pardon, the same pastries. S'il vous plaît, cette phrase... vous devez la traduire en français avec, s'il vous plaît, un verbe qui est du deuxième groupe et que vous mettez, eh bien, à l'imparfait. Allez-y. Alors, Johanna, aujourd'hui, je me concentre sur mes choses. Donc, je ne peux pas tout voir, excusez-moi. Un jour, je vous montrerai comment ça fonctionne. Et c'est beaucoup de choses à regarder en même temps. Donc, j'essaye, mais des fois, je ne vois pas tout. Donc, si je manque certaines choses, je ne peux pas toujours corriger. Excusez-moi, mais vraiment, c'est comme ça. Donc, je fais le maximum. Hein. Je fais le maximum. Alberto, l'assiette est l'objet et le plat, c'est le repas. L'assiette, c'est individuel, c'est ce que vous allez utiliser pour manger. C'est votre assiette, une assiette
plate, alors l'adjectif, ou une assiette creuse, d'accord ? Le plat, c'est ce que vous allez préparer, hein, et en général, ça va être une assiette qui est plus grande et collective. C'est un petit peu la différence entre les deux. Alors, regardons ici. Ici, c'était le verbe choisir. Le verbe choisir qui doit être, eh bien, à l'imparfait. Je choisissais. Alors là, c'est la même chose, hein, une forme assez longue. Le radical, C-H-O-I-S-I-S-S. Choisis. Ça, c'est votre radical, plus la terminaison A-I-S, je choisissais souvent les mêmes pâtisseries. Même doit être au pluriel, puisque pâtisserie est au pluriel. Voilà, M-E accent circonflexe, M-E-S. Voilà, merci beaucoup. Allez, la chanson du jour, eh bien, la voici, la voilà. Et c'est une chanson d'une artiste qui s'appelle Rose, je ne sais pas si vous la connaissez, et la chanson s'intitule La Liste. Vous pouvez retrouver cette chanson, j'essaye de viser avec mon doigt, guili guili. Ici, vous pouvez la retrouver dans la liste. Bonjour Stella. Voilà, dans la liste sur YouTube, elle doit être en première ou deuxième position. Mais en tout cas, vous pourrez la regarder et l'écouter, bien sûr. On va, comme d'habitude, travailler sur le début de la chanson, sur les paroles. Allez, et là encore, faites attention, comme c'est un niveau un petit peu, voilà, avancé, je vais vous lire ça. Yulia, pour l'instant, je vais mettre à jour Spotify, excusez-moi, mais j'étais concentré sur YouTube, donc j'ai mis ça, et je vais mettre aussi Spotify à jour, excusez-moi, je ne suis pas une machine, je suis un homme. Attention. Aller à un concert, repeindre ma chambre en vert. Aller à un concert, repeindre ma chambre en vert. Allez-y. Alors, Yossi, comme d'habitude, hein, il y a des règles, c'est-à-dire que la règle de l'adverbe, c'est logiquement après. Mais bien sûr, il y a différentes catégories d'adverbes, et donc il y a aussi des exceptions, comme d'habitude, en français. Mais certaines choses sont difficiles, c'est-à-dire qu'on peut être flexible, mais il y a toujours le moment où l'adverbe doit compléter quand même le verbe. C'est comme l'adjectif. L'adjectif, il doit avoir une position qui est cohérente à la française. On est d'accord. Alors, regardons ensemble. Hein. Donc, c'était « Aller à un concert ». Alors, c'est une liste. Donc, l'idée de cette chanson, c'est qu'elle fait une liste. Elle fait une liste et donc, tout va être ben, finalement à l'infinitif. En tout cas, je pense me souvenir que tout est à l'infinitif. Donc, mettons les verbes à l'infinitif. Aller, infinitif, A-L-L-E-R, d'accord ? À un concert, concert masculin, ce n'est pas très difficile, C-O-N-C-E-R-T. Ensuite, repeindre. Alors, c'est le verbe peindre, bien sûr, mais re, souvenez-vous, le préfixe re, tout simplement pour indiquer la répétition. Vous faites quelque chose
encore une fois. Donc probablement que dans cette situation, sa chambre a une autre couleur, peut-être qu'elle est en bleu, et elle décide de repeindre sa chambre en vert. Elle va peindre à nouveau sa chambre. Repeindre, R-E-P-E-I-N-D-R-E. Voilà, et puis ma chambre, eh bien c'est féminin. Hein. Une chambre, ma chambre, C-H-A-M-B-R-E. Souvenez-vous, et ça c'est pour votre information, que pour les Français, le mot chambre, une chambre, c'est vraiment un endroit où vous allez dormir. Hein, ne faites pas l'erreur de considérer qu'une chambre, c'est comme une pièce. Non. Une chambre, vous dormez dans votre chambre. Allez, on continue avec la deuxième chose concernant cette chanson. Boire de la vodka, aller chez IKEA. Boire de la vodka, aller chez IKEA. Allez-y. Alors, Sneden, c'est de l'impératif. Non, 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 c'est pas de l'impératif, hein, c'est de l'infinitif. Fatima, avec Fatima, c'est toujours du champagne, mais là, non, non, c'est pas du champagne ici. Regardons ensemble, eh bien oui, elle nous dit tout simplement, c'est sa liste. La liste continue, c'est une liste intéressante. Boire, donc infinitif, hein, B-O-I-R-E, de la vodka. Vodka, donc c'est féminin. Julia n'aime pas la vodka, moi non plus. Alors là, je n'aime pas la vodka, c'est trop fort pour moi. Aller, infinitif, A-L-L-E-R, et puis à IKEA, ou chez IKEA. Ça dépend de la préposition. Personnellement, j'aurais utilisé à IKEA, mais bon, pourquoi pas chez IKEA, c'est elle qui décide. Troisième chose concernant cette chanson. Mettre un décolleté, louer un meublé. Mettre un décolleté, louer un meublé. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, mettre un décolleté, bah écoutez, là, c'est pas, y a pas grand-chose à dire, hein. Donc, infinitif, mettre, décolleté, bah regardez comment on l'écrit, D-E, accent, accent aigu, C-O, L-L-E-T-E, accent aigu, louer, infinitif, L-O-U-E-R, meubler, eh bien, c'est M-E-U-B-L-E, accent aigu. Allez, on continue avec le numéro 4, le numéro 4. Ça, j'aime bien le numéro 4. Et puis tout massacrer, pleurer pour un rien. Et puis tout massacrer, pleurer pour un rien. Allez-y, s'il vous plaît. Allez, donc et puis, donc ça c'est pas trop problématique, vous l'avez bien écrit, P-U-I-S,
tout T-O-U-T, massacré, toujours d'infinitif, M-A-S-S-A-C-R-E-R. Pleurer, toujours à l'infinitif, P-L-E-U-R-E-R, ça vous l'écrivez bien, pour un rien. Pleurer pour un rien. Numéro 5, cette chanson continue. Acheter un chien, faire semblant d'avoir mal. Acheter un chien, faire semblant d'avoir mal. Écrivez s'il vous plaît. Alors, je regarde, excusez-moi, j'étais là. Alors, la première chose, acheter un chien. Acheter, bah, on sait comment l'écrire et vous l'écrivez parfaitement bien. Je dis bravo. Acheter, attention, donc A-C-H-E-T-E-R. Un chien, eh bien, c'est notre ami à quatre pattes, C-H-I-E-N. Faire semblant, l'expression faire semblant, c'est avec l'infinitif faire, F-A-I-R-E, semblant. S-E-M-B-L-A-N-T. Faire semblant de. Et donc, bien sûr, ici, comme vous avez à voir, le E doit partir et vous mettez l'apostrophe. Faire semblant d'avoir mal. On continue avec cette chanson très intéressante. Émettre les voiles, fumer beaucoup trop. Et mettre les voiles, fumer beaucoup trop. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, je regarde, et mettre les voiles, c'est une expression pour dire partir, hein. Mettre, donc, infinitif encore une fois, M-E-T-T-R-E, les voiles au pluriel, hein. Voile, c'est féminin, une voile, d'accord, mais ici c'est au pluriel, L-E-S, donc pour les, bien sûr, voile, V-O-I-L-E-S. Fumer, verbe du premier groupe, fumer, infinitif, F-U-M-E-R, beaucoup, et bien c'est ici notre adverbe, B-E-A-U-C-O-U-P, et trop, T-R-O-P, ça, il n'y a pas de problème. On continue avec le numéro 7, et ce sera la dernière chose. Attention, attention, c'est long. J'ai rien trouvé de mieux à faire, mais c'est la liste des choses que je veux faire avec toi. J'ai rien trouvé de mieux à faire, mais c'est la liste des choses que je veux faire avec toi. Allez-y. Thank you.
Alors là, c'est un petit peu plus long. Hein. On est d'accord. Donc le verbe c'est trouver. Passé composé, j'ai trouvé. Elle utilise la négation. Souvenez-vous, la négation c'est ne rien. Quand on veut utiliser ce concept. Ne rien. Mais c'est du français parlé. Donc le ne disparaît totalement. On garde le rien. J'ai rien trouvé. Donc normalement, on devrait dire « je n'ai rien trouvé ». Français parlé, le « ne » disparaît, « j'ai rien trouvé ». De mieux. On a déjà vu ça en français parlé, si on peut faire disparaître le « e », on le fait disparaître. « J'ai rien trouvé de mieux ». De mieux, on ne va pas dire de mieux, on va dire de mieux. J'ai rien trouvé de mieux à faire. J'ai rien trouvé de mieux à faire. Mais c'est la liste, bon ben ça c'est pas problématique, vous l'avez bien écrit, des choses, pour votre information, le mot chose c'est féminin, une chose ici c'est au pluriel, C-H-O-S-E-S. Que je veux. Même chose ici. Le E de je, on le fait disparaître. Je veux. Je veux. D'accord ? Que je veux devient que je veux. Faire, infinitif, F-I-R-E, et puis avec toi. Voilà. J'ai rien trouvé de mieux à faire. De mieux, de mieux. J'ai rien trouvé de mieux à faire. Mais c'est la liste des choses que je veux faire avec toi. Voilà, donc la chanson c'est ça, c'est une sorte de liste des choses qu'elle voudrait faire avec son amoureux. Voilà, plus ou moins romantique, mais moi je trouve que c'est sympathique. Voilà, c'était la chanson du jour. Allez, on continue avec notre fil rouge. Le fil rouge aujourd'hui, c'est l'imparfait de l'indicatif. Bien sûr, nous avons déjà fait le premier groupe. Nous avons fait le deuxième groupe. On attaque bien évidemment le troisième groupe. Notre ami sera le verbe répondre. Le verbe répondre. Et on commence comme d'habitude avec le singulier. S'il vous plaît, donnez-moi je, tu, il, elle, on. À l'imparfait pour le verbe répondre. Merci. Alors, je regarde, ça commence à arriver. Oui, un autre radical, c'est réponde. R-E accent aigu, P-O-N-D. Et ensuite, on va mettre la terminaison. Donc, je répondais à yes. Tu répondais à yes. Il, elle, on répondait à it. D'accord ? Je répondais, tu répondais, il répondait, elle répondait. On répondait. S'il vous plaît, pour le pluriel, youpi youpi, nous, vous, il, elle, au pluriel, allez-y.
Alors, c'est toujours notre radical. Hein. Le radical n'a pas changé. R-E accent aigu, P-O-N-D. Réponde, c'est notre radical. Et puis après, vous mettez la terminaison. Alors, pour nous, I-O-N-S, nous répondions. Pour vous, I-E-Z, vous répondiez. Et finalement, pour il, elle, A-I-E-N-T, on prononce E-E-E. Il répondait, elle répondait. Nous répondions... Vous répondiez, il répondait, elle répondait. Je répète, je répondais, tu répondais, il, elle répondait, on répondait. Nous répondions, vous répondiez, il répondait, elle répondait. Allez, c'est clair, on attaque les phrases. Donc, traduction, imparfait indicatif, et les verbes sont les verbes en dr. Nous les avons vus avec répondre. Trois phrases, comme d'habitude. La première, la voici, la voilà. I sometimes went down to the south of France in summer. S'il vous plaît, traduction avec un verbe qui se termine en dr et à l'imparfait, s'il vous plaît. Alors, je vois que ça n'est pas clair pour tout le monde, mais bon. Oui. Souvenez-vous que, et ça c'est assez intéressant, hein, quand on regarde la carte de France, eh bien, quand on va de Paris vers le sud, on va utiliser l'expression descendre. Et on va utiliser la même aussi quand on va dans l'autre sens, monter et descendre. Et donc ici, eh bien, j'avais envie d'utiliser l'expression descendre. Je descendais, hein, donc le verbe descendre à l'imparfait, D-E-S-C-E-N-D-A-I-S, je descendais. Parfois, alors parfois, qu'est-ce que vous me proposez d'autre ? Oui, pas souvent, non. Quelquefois, je l'accepte. Hillary nous propose quelquefois, Zane quelquefois aussi, d'accord. Quelquefois, parfois, Sophia X propose de temps en temps. Oui, c'est bien aussi, de temps en temps, quelquefois, parfois, ça, j'accepte. Faites attention, c'est pas souvent ici, hein. C'est vraiment la notion de quelquefois ou parfois ou de temps en temps. Dans le sud de la France, en été, quand on parle ici de l'été, la préposition qu'on va utiliser, c'est « en ». En été, d'accord. Je descendais parfois dans le sud de la France en été. Allez, on y va. Numéro 2, s'il vous plaît. I often took the train to discover Europe. S'il vous plaît. Un verbe qui se termine en « dre » et qui est à l'imparfait. Merci beaucoup. Yeah.
Ah, Désiré. Désiré qui propose la plupart du temps. Donc ça pourrait être discutable, hein, Désiré, parce que personnellement, ma sensation, hein, comme francophone ou français, ma sensation, c'est que quand vous dites parfois ou la plupart du temps, il y a un degré qui est supérieur. Et finalement, la plupart du temps, c'est plus proche de souvent que de parfois. Bon, ça peut être négociable, mais en général, c'est plutôt comme ça. Donc la plupart du temps, c'est plus proche de souvent que de parfois, quelquefois. Allez. Alors ici, je prenais donc souvent, ça c'est la première possibilité. Je vois fréquemment, ouais, ça c'est pas mal aussi, fréquemment. Faites attention, ça n'est pas toujours. Julia propose toujours, non. Non, parce que toujours, là c'est la même chose, hein, c'est vraiment, c'est toujours. Mais non, là c'était souvent, hein, le concept. Donc le verbe c'était prendre. Prendre. Que l'on met ici à l'imparfait, je prenais, P-R-E-N-A-I-S. Souvent le train pour découvrir, découvrir doit être ici, à l'infinitif, D-E accent aigu, C-O-U-V-R-I-R. Et puis l'Europe, alors l'Europe c'est féminin, mais donc ici vous voyez que le A disparaît et vous mettez l'apostrophe l'Europe. Allez, la troisième phrase, I was learning ancient Greek in high school, un verbe, s'il vous plaît, en dre, et bien sûr l'imparfait. Alors, il y a qui fait de la traduction directe, hein, vraiment directe, tranquille. Non! Alors, regardons. Donc, le verbe, c'est le verbe apprendre. Le verbe apprendre ici, qui va être, bien sûr, à l'imparfait, puisque c'est l'idée de notre exercice. J'apprenais, A-P-P-R-E-N-A-I-S, j'apprenais, d'accord? Ensuite, le grec ancien, ancien doit être, eh bien, au masculin, puisque le grec, eh bien, c'est masculin, ancien, A-N-C-I-E-N, le grec ancien. Et puis au lycée, hein, high school en anglais, eh bien c'est lycée en français, c'est masculin, le lycée. Faites attention, hein, parce que même si c'est écrit E accent aigu E, c'est masculin. Comme le musée, hein, le musée, même concept. Alors donc ici, faites attention, lycée, L-Y-C-E accent aigu E, le lycée. Voilà. Et oui. Oui, c'est formidable. Merci beaucoup. J'ai remarqué ce phénomène. Dès que je ne fais plus... Ça marche plus efficacement. Donc je ne parle plus de ça. Je laisse les gens cliquer tranquillement et on y arrive. On y arrive ensemble.
Allez. Ah bah Luciana, bah oui. Luciana, excusez-moi, je suis concentré sur le cours. C'est plus important le cours que les petites choses comme ça. Excusez-moi, je ne suis qu'un homme. Je ne suis qu'un homme. Je fais ce que je peux. Allez, on continue. Allez, on y va. Écoutez bien, écoutez bien. Bah, c'est notre exercice classique. Alors, attendez une seconde puisque Nicolas arrive. Une petite seconde, merci. Alors apparemment il y a une abeille. Il y a une abeille quelque part. Je ne sais pas si je vais devoir aller chasser ou capturer l'abeille. Je ne sais pas. On va voir comment ça va se passer. On fait cet exercice et je vais voir l'évolution de la situation avec l'abeille à la maison. Écoutez bien, c'est notre exercice. Et bien sûr, vous écoutez et vous écrivez s'il vous plaît. Allez, attention, je vais le prononcer une seule fois et vous allez écrire le mot que vous entendez. N'écrivez pas la lettre, écrivez le mot. Cassandra veut une pizza. Ah oui. Ah, c'est vendredi, Cassandra. Cassandra connaît les traditions. Vendredi, c'est pizza. Eh oui. Attention, le mot c'est... justesse. Allez-y. Alors, Yossi, les villages suspendus, qu'est-ce que c'est les villages suspendus? Je ne vois pas. Si vous avez un lien, ça m'intéresse. Alors oui, hein, on était à la recherche ici du premier. Le premier, c'est justesse. Justesse. Et le double S, vraiment très très fort. Hein. Justesse. Allez, on prononce les deux. Le A, c'est justesse. Et le B, c'est justice. La différence entre les deux, ça va être la différence entre le E, justesse... et I, justice, justesse, justice. Allez, si on continue avec le numéro 2. Le numéro 2, même chose, je vais le prononcer une seule fois. Vous l'écrivez, s'il vous plaît. Littéraire. Alors, Nicolas dit « elle fait peur et je comprends ». Donc, je finis juste l'exercice, Nicolas, et je viens m'occuper de l'histoire de l'abeille. Ne t'inquiète pas, j'arrive. Alors, Yossi, ça dépend quelle partie du sud de la France. C'est ça qui est important parce que moi je suis plutôt la région Montpellier, toute cette région. Donc c'est pas la région PACA, c'est pas ma région habituelle.
Alors, nous étions à la recherche de littéraire ici. Littéraire, eh bien, vous l'écrivez L-I-T-T-E, accent aigu R-A-I-R, et vous le prononcez littéraire. Littéraire, c'était le mot que nous recherchions. Alors, prenons le temps de bien prononcer les deux. Le A, c'est littéraire, et le B, c'est littéral. Littéraire. Littéral. Allez, on continue avec le numéro 3. Le numéro 3, eh bien, le voici, le voilà. Médicinal. Écrivez-le, s'il vous plaît. Alors, voici le B que nous devions trouver, c'était médicinal. Médicinal, effectivement, vous l'avez bien écrit. Médicinal, donc c'était le B. Comme d'habitude, je vais vous prononcer les deux. Le premier, c'est médical, médical. Et le deuxième, c'est médicinal. Médical, le premier. Médicinal, le deuxième. Voilà. Alors, malheureusement, j'ai un jeune homme qui frappe à la porte derrière, qui est paniqué parce que, bien sûr, il y a un insecte, une abeille ou une guêpe, je ne sais pas. Et donc, je vais devoir aller le sauver. Donc, aujourd'hui, eh bien, on va s'arrêter là, si vous voulez bien. Oh, nous avons quelqu'un. Alors, Vinay Sangha, s'il vous plaît. C'est... Oui. C'est bien, c'est l'enthousiasme, c'est très très bien Vinay. Je dis bravo, mais ça n'est pas la peine d'en mettre beaucoup Vinay. Tranquille, tranquille. Allez, donc nous faisons, ben, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Je dois sauver mon fils. Et oui, c'est important de sauver son fils quand il y a une petite bête. Merci beaucoup en tout cas. N'oublions pas cette magnifique chose qui dit, et je le pense vraiment, le seul vrai langage au monde est un baiser. Il faut faire des bisous dans la vie, c'est important. Je vous dis merci beaucoup. Au revoir et à demain. Désolé, on a arrêté un petit peu brusquement, mais c'est la vie. Au revoir.